Alors, vous êtes Monsieur Koulandry Martial. Présentez-vous aux téléspectateurs de Arc-en-Ciel TV. Ok, pour plus de précision, je suis arrangeur, producteur d'artistes depuis 90. J'ai commencé à arranger le produit. Il y a beaucoup qui sont passés dans ma main. Voilà, j'ai pas mal fait. En fait, j'ai fait des Sidonie, même Guest Pomsans, à la Thérèse, Mousse Amir Rosalie. Parce que j'aime tout ce qui est terroir, tout ce qui est folklore de chez nous. Que ce soit BT, je travaille même avec les BT, les bourreaux. Et depuis combien de temps la passion de l'arrangement vous est venue? Bon, côté arrangement, j'étais tout petit, hein, comme un bon Africain. Mes parents chantaient un peu. Et moi, je me suis orienté dans ce côté, parce que j'aime, tiens, chanter quand j'étais tout petit. Et j'ai commencé à chercher à jouer la guitare. Et j'ai commencé d'abord avec la trois cordes. Et après, j'ai vu qu'il faut aller à l'école de musique. Donc, j'ai fait INSAC. Voilà. INSAC, j'ai 4 ans à l'INSAC. Avec les professeurs qui sont là-bas encore, il y a Guétouan, il y a William, ils sont encore toujours à l'INSAC. Donc, de là-bas, comme j'étais déjà prêt, j'étais déjà dans un orchestre. Et même ils m'ont dit, mais tu es déjà prêt, tu peux aller sur le terrain. Alors, je me suis jeté. Allô? Voilà, Ok, concrètement, un arrangement, comment ça se passe? J'ai fait une chanson, je viens, je fais la prise de voix, la suite, c'est quoi? un arrangement, et d'abord, tu viens avec ta voix. Si l'arrangeur est vraiment bon, il t'écoute, il cherche les mélodies, il adapte à ta voix. Patrice Pevensul, ça et des trucs. Vous voyez ici, tout ce que vous voyez, on essaie de programmer ici. Il y a l'expandeur qui est là. L'expandeur qui est là. Petit truc là. C'est un expandeur. C'est une boîte à rythme. C'est-à-dire, il y a toutes les batteries, tout ce que vous voyez au dehors. Il y a tout dedans. Et c'est dans ça qu'on communique avec le clavier pour pouvoir reproduire les sons. Donc, tout ce qui est cloche, batterie, tout se trouve dedans. On n'est pas obligé de venir avec un orchestre entier. L'artiste seul vient avec ses choristes, puis on sait faire le montage ici. C'est ça un arrangement. D'accord. Quand on est dans un studio, il y a aussi ce qu'on appelle l'enregistrement live. Qu'est-ce que c'est? Oui, l'enregistrement live, c'est quand tout ce qui est live, c'est ce qui est grand comme audio. Voilà. Il y a le numérique et il y a l'audio. L'audio, c'est ce qui sort de dehors, qui vient de dehors. C'est live. Voilà. Donc, il y a les studios qui ont les grandes capacités, qui ont les claviers, pardon, qui ont les batteries acoustiques installées. On les prend par piste. Voilà, comme ZBZ, c'était un nom, je ne peux pas faire la promo. Il faisait ça. Voilà. Maintenant, bon, comme on évolue, on n'a plus besoin de tous ces trucs-là. Il peut y avoir un petit appareil qui fait tout. Donc, c'est ça qui reproduit. C'est ça qu'on appelle un spender. Lui, il a les sons de live, même batterie, tout ça, tout est dedans. Même pas trop. Comment dire? Compressé, les salles ne sont pas comme avant. Oui. Voilà. Donc, on ne peut pas prendre une grande salle. On a tous ces trucs-là sur place, en fait. D'accord. Tout à l'heure, vous avez cité en début d'émission que vous avez arrangé la Tigresse, Ouais, arrangé la produit. Sidonie Tigresse, vous avez produit également, Ouais. et vous avez arrangé une Guest Monsens, Oui. et puis qui d'autre encore? À la Thérèse. Ok, à la Thérèse également. Au niveau de tous ces artistes, est-ce qu'il y a des artistes qui sont sortis meilleures ventes? Oui, la Tigresse, elle a vendu. À l'époque, il n'y avait pas le sticker. Mais j'ai reçu, comme j'étais le producteur, j'ai reçu à vendre 190 000. J'ai dit bien 190 000 cassettes. Et en CD, j'ai vendu 10 000 CD. Et à l'époque, le CD coûtait 10 000 francs. T'as 10 000 CD déjà, tu vois combien ça fait? Voilà. Donc 190 000 CD déjà,
Ces cassettes déjà à 1000 francs. Voilà comment ça fait. Voilà, donc en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Dieu m'a aidé, j'ai pu la soutenir. Voilà, c'est que Dieu m'a, c'est une mission que Dieu m'envoie. Je fais, je n'irai pas à côté d'argent, mais je fais. J'ai pu prouver ce que je pouvais prouver. Le reste, ça est dans la main de Dieu. Okay. Aujourd'hui, là, tous ces artistes là marchent quand même, que ce soit au niveau des spectacles, oui, en live, que ce soit dans les matchs. Alors, on dirait simplement que, comment on dit ça, Ndri oui, est une référence. Bon, il peut vous le dire, s'ils sont reconnaissants. L'autre côté là, moi, je ne sais pas. Il peut le dire, puis c'est bon. Ils ont quelqu'un d'autre qui peut les aider. Eh ben, je ne suis pas le seul arrangeur. On a formé des jeunes qui sont encore en train de prendre le relais. Oui. Donc je pense que on a formé des jeunes pour soutenir. Oui. Mais s'ils sont reconnaissants, ils peuvent toujours parler de nous. Alors ça m'amène ma question suivante, à savoir les rapports qui dit. Est-ce qu'on peut dire l'ex-arrangeur à ses artistes ou bien l'arrangeur à ses artistes? Quels sont vos rapports? Bon, l'ex-arrangeur, c'est. Arrangeur reste un arrangeur, ce n'est pas avec de l'Est, ce n'est pas avec de mariage. L'artiste peut toujours partir revenir. Vous dites, ah, je suis parti, ma tête a cogné, je reviens, prends ma place. Donc on ne peut plus dire l'Est. Donc je suis toujours arrangeur. L'arrangeur, c'est comme un vin. Le bon vin, quand ça dure, et quand ça dure, c'est ça, le vin devient fort. On pense que je suis fini, non, je ne suis pas fini. Celui qui pense à comme ça, il a menti. Là, quand tu es dedans, tu tues, tu n'as plus de technique, tu n'as plus de trucs. D'expérience. Voilà. Va en Europe, pour moi, j'ai voyagé un peu, je sais ce qu'il sait. Tu vas partir en Europe, tu vas voir les arrangeurs, ils sont vieux, mais ce qu'ils vont te ressortir, oui, c'est pas possible. Donc ici, dès que tu as un âge ou bien tu as un petit cheveu blanc dedans, oui, on trouve que tu es périmé. Non, un arrangeur n'est pas périmé. Au contraire, il a magasiné beaucoup de choses dans sa tête. Donc, s'il veut valoriser à votre temps, moi, je pense qu'il peut faire mieux. Voilà. Donc, on va vers la fin de notre temps. Est-ce que vous avez des projets, des perspectives, des projets au niveau de votre studio, au niveau de votre carrière, au niveau des artistes que vous voulez produire? Quelles sont les perspectives? Oui, j'ai un projet, beaucoup de projets. Vraiment, je ne peux pas tout dire. Ouais. Voilà, mais je vais peut-être brosser au moins deux petits projets. En fait, l'Afrique ne comprend pas bien l'art. Un homme qui n'a pas de culture, il n'est pas un homme normal. Sans culture, tu ne peux pas vivre. Donc, normalement, en Afrique, si, nos grands types, on appelle ça nos autorités. Ouais. Il doit penser à ça. Un homme sans culture, tu n'es rien. Moi, j'ai des projets. Mais tu as beau expliquer, ils ne vont pas t'écouter. Sinon, pourquoi pas avoir un studio mobile? Les parents sont au village. Ils ont des trucs. Ils sont en train de mourir un à un. Ils sont dans le village. Ils ont la culture pure là-bas. Ça coûte combien que l'État met l'argent? Ou le ministère de la Culture met l'argent à la disposition. Puis cette ministère-là est là pour ce genre de trucs. Pour que nous, qui sommes faisants d'artistes, qui cherchons ces trucs, on passe sur le terrain pour enregistrer, pour garder. On peut ne pas être là. Mais l'art ne doit pas s'y perdre. Voilà. Donc, mon souci, c'est ça. Parce qu'on mange, on boit, mais on oublie le passé. On oublie l'art. Et sans là, on n'est rien. C'est pas l'argent qui fait tout. Donc moi, c'est un pincement du cœur. Voilà, ça me fait très très mal. Mais bon, je fais comment? Je roule sur mes petits moyens. Je n'ai pas encore les moyens. Je pense que Dieu peut faire ça un jour. Trouver les partenaires en Europe et on va faire ce projet-là. Ah, les Blancs même vont garder ça là-bas. Oui. Et c'est eux plus tard, ils vont les vendre. Puis eux, ils sont là, ça ou pas. Moi, c'est ce que je cherche. Je cherche à travailler, laisser. Voilà. Sinon, il n'y a pas de traces, ce n'est pas normal. Okay. Dernier appel à lancer? Bon, dernier appel à lancer, la paix d'abord. Parce que sans la paix, on ne peut même pas faire le là. On ne peut même pas travailler.
Pendant que tu es en train de travailler, tu attends un son, bon, tu es dérangé, on a souffert. Donc, ce que moi, je déciderais de faire, je pense que les autorités locales, mais chacun n'a qu'à essayer de voir ça à son côté, puis s'entendre. Parce que sans nous, ils sont rien. Sans eux aussi, on n'est rien, mais on est plus nombreux que eux. Et eux, ils n'ont qu'à comprendre ça. Je vais poser une question. Mais, monsieur Konandri, oui. Vous-même, en tant qu'arrangeur, pourquoi vous ne sortez pas aussi les sons? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, nous voyons des jeunes gens comme les Serge Bello, les Bébé Philippe qui sont arrangeurs. Et ces derniers-là, ils sortent des sons qui cartonnent très fort. Mais pourquoi pas vous? Vous avez fait des grands artistes comme Dri Sidoni, comme Moussa Mourezali, comme la qu'on appelle Maman La Thérèse. Pourquoi pas vous sur la scène musicale? Oui, c'est bien dit, ta question est bien dit. Je suis en projet déjà. Je suis en projet. J'ai déjà pensé. J'ai déjà pensé déjà. Et je suis déjà en projet. Je pense que très bientôt, je vais sortir ça. Parce que c'est là, tu ne veux pas rester là, créer. Et tu as toi-même quelque chose dans toi. Il faut aussi montrer aux gens. Je montre, j'essaie de montrer la musique. Mais moi-même, je suis compositeur, auteur-compositeur aussi. Donc, je pense que ça va durer. Je vais le faire. Et je sais que beaucoup d'hommes se posent la question, même question, pour savoir pourquoi moi, pourquoi pas moi aussi. Bébé Philippe a chanté, Redeba a chanté, Marie Dibango a chanté, c'est les grands arrangeurs. Même Bokana Maïga a chanté, donc pourquoi pas moi? Donc je pense que sa question est bienvenue et je suis prêt à le faire sortir maintenant. Est-ce que tout à l'heure là, vous pouvez nous montrer quelque chose? Ça serait en exclusivité pour les internautes de Akansia TV, de vous voir donner quelque chose parce qu'on ne vous a jamais vu chanter. Ça serait une première pour nous. Ça serait vraiment quelque chose qui va rester dans l'esprit et puis bon, on va attendre le reste après. Tout à l'heure, quelque chose peut-être que avec le clavier. Moi-même, je vais jouer. Oui, vous allez jouer un peu. Bon, voilà, je pense que pour faire, je vais peut-être brancher une guitare. Une guitare, d'accord. Donc, on vous suit. Ça c'est bien ça. En tout cas, ce goli va sortir. C'est ça. Avec le con. Ouais. Puis dedans. D'accord. Voilà. Ouais, non. D'accord, donc c'est le dernier mot. Ah oui? Oui. Bon, et le dernier mot, et dire à tous ceux qui nous regardent que bientôt tout le monde en pense. Mais je pense que moi-même j'ai déjà pensé. Mais le temps est arrivé pour que je puisse faire un produit sur le marché. Parce que moi-même je suis faisant d'artiste. Si on ne me voit pas du tout, ils vont penser que parce que je ne connais pas. Sinon, je connais. Je pense que bientôt ça va sortir et je vais vous donner un joli plan. C'est-à-dire, je ne vais pas faire que la musique qui danse, mais faire la musique écoutée qui va nous conscientiser. C'est-à-dire, je vais faire les trucs tous bien. Voilà, ça va venir. Ce n'est pas un travail que je vais faire apprécier. Voilà. Et j'ai dit merci à tous les directeurs et tous les producteurs de Akansia TV. Akansia TV. Ouais. Je vous dis beaucoup merci. De l'avoir pensé à moi. Ouais. Parce que tu ne veux pas en parler.
Mais beaucoup d'hommes ne pensent pas à ceux qui font les artistes. Ouais. Nous sommes des faisants d'artistes, on ne nous connaît pas. Ouais. C'est dommage. Sans nous, il n'y a pas d'artistes. C'est ça. On ne nous connaît pas, c'est pas normal. Donc moi, je vous dis merci. Mettez vos chapeaux et longue vie à Cancer TV. À Cancer TV. Merci.